Allez, salut, salut les gars, voilà, c'est toujours moi le Samospita et vous êtes sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc avant de commencer cette vidéo, j'aimerais un peu rappeler à tous ceux qui me suivent. Voilà, ça c'est la bourse de Suisse et j'avais déjà fait une vidéo où on avait ici reçu le message. Voilà, et sur le message, on a cliqué là pour confirmer. Et lorsque vous confirmez, ça vous renvoie directement sur cette plateforme là, pour vous permettre de pouvoir continuer et y mettre vos documents. Et en même temps, je voulais rappeler qu'il y a un groupe WhatsApp pour ceux qui m'envoient assez de messages, pour ceux qui veulent vraiment qu'on parle à chaque instant. Voilà, vous pouvez intégrer ce groupe-là. Ainsi, toutes mes réponses aussi vont aider les autres à pouvoir postuler, à pouvoir essayer de gérer les soucis. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ici, on va essayer de continuer. D'abord, on va mettre ça en français ici. Voilà, et je rappelle encore que pour cette bourse là, les documents qui sont acceptés sont en français, en italien, en anglais, en allemand. Voilà, donc si vous n'avez pas ces documents là, si vos documents sont dans une autre langue, essayez de traduire cela en allemand ou en anglais. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça c'est la bourse suisse de l'université Saint-Gallen. Donc, on va aller directement sur la plateforme pour pouvoir insérer nos documents et voir comment est-ce qu'on peut postuler. Moi, comme j'avais déjà enregistré via Google mes éléments, c'est-à-dire mes contacts et tout ça, donc ça fait automatiquement. Donc, il place directement mon mot de passe et mon mail là. Donc, ce que je dois faire, je n'ai qu'à cliquer sur connexion. Et puis, voilà, ça me renvoie directement sur ma plateforme où est-ce que je dois mettre les éléments pour pouvoir postuler. Donc ici c'est toujours en allemand, donc je vais changer, mais néanmoins il y aura un espace où vous devez choisir la langue qui sera consommée dans tout le programme, c'est-à-dire la langue que vous allez suivre pour vous référer dans tout ce que vous allez faire. Donc ça sera dans cet espace-là, vous allez aussi choisir cela. Ok, donc dans un premier temps ici, email contact, c'est bon. Vous voyez là, état, cet attribut a été vérifié pour ce compte. Donc vous voyez, quand on met ça, ça veut dire que c'est bon. Donc ici, rajouter adresse email, on a déjà ça. Authentification en 2 étapes. Ici, je vous conseille de laisser ça comme ça. Voilà, ne touchez à rien, parce que après, une fois que vous changez de méthode d'insertion, de méthode d'adhésion à votre compte, ça devient un peu plus compliqué. Donc ici, vous laissez comme ça. Voilà, vous laissez tant que ça ne vous gêne pas, vous laissez. Alors, nous venons sur les données personnelles. Le prénom, ça va, j'ai pris cela. La date de naissance aussi, on va essayer de voir ce qu'on peut mettre comme date de naissance. Donc je considère que je viens pour la licence, donc je préfère être né en 2004. Donc je vais choisir 2004, quel est le mois, le premier mois, et 2004. Ainsi, et c'est un peu plus jeune pour pouvoir aller en licence. Voilà, 2004. Donc je prends sauvegarder pour passer à l'étape suivante. Donc ici, date de naissance 2004, ok. Et si vous voulez modifier, c'est toujours possible. Voilà, et ici, catégorie d'âge minimum, c'est quoi? C'est 18 ans. Ok, donc catégorie d'âge minimum, c'est 18 ans, ok. Et numéro d'immatriculation, ça vous n'avez pas, ça concerne les Suisses eux-mêmes. Voilà, vous n'avez pas, donc c'est pas la peine de vous fatiguer pour ça. Ok, on avance. Donc le sexe ici, le sexe, nous sommes où là? Rajouter du sexe, c'est masculin, donc je vais prendre masculin. Ok. Ok, la langue préférée, comme ça ici c'est l'allemand. Donc si vous voulez le français, vous mettez français. Si c'est l'anglais que vous voulez, vous mettez anglais. Un instant, je me suis trompé. Si c'est anglais que vous voulez, vous mettez anglais. Voilà. Mais pour notre plateforme, on va choisir comme ça. Ici, définissez votre langue préférée. Donc on va prendre français. Comme ça, nos éléments seront en français. On va mieux suivre notre application pour ne pas nous tromper. Donc je suis où là? Je suis ici, langue français, adresse professionnelle. Je vais prendre, définissez votre langue, définissez, rajouter de l'adresse professionnelle. Donc ici, par exemple, comme ça, non tank, organisation, exemple SA. Ici,
ici l'organisation c'est pas la peine parce que je n'ai pas d'éléments, nom de l'organisation, entreprise, université, institution, ici organisation, ici organisation, vous allez mettre le lycée où vous êtes actuellement ou bien vous allez mettre aussi l'école où vous êtes actuellement. Donc si je viens pour la licence, ça veut dire que j'ai fait un lycée. Donc vous allez mettre comme ça, lycée quoi quoi, lycée municipal, ou bien lycée moderne, vous mettez ce que vous voulez. Voilà, ou bien si c'est l'université que vous allez faire, vous mettez le nom de l'université ici. Voilà. Et ici, la rue, moi je vais prendre la rue ici, c'est Cassie. D'accord, 1863, notre code postal. 863, Abidjan 12. Donc, voilà, 1863. Alors, sauvegarder. Ok, donc après cela, le numéro de téléphone aussi, on va ajouter. Donc, on va indiquer aussi l'indice du numéro, notre numéro, si c'est la Côte d'Ivoire. Donc, c'est quoi? Plus 225, plus 225, un instant. Donc, je prends plus 225. Regardez très bien ce qu'ils ont dit. Entre le numéro de téléphone en format international ou préfixe comme exemple, voilà. Donc vous mettez votre élément qui est là, 225 07 59 3 12 44. Ok, donc ok. Après le numéro de téléphone, on a quoi? L'adresse privée. Ajouter l'adresse privée. Ici, votre adresse privée, le nom de la rue et tout ça. Donc, vous pouvez mettre maintenant ici rue, la même chose que j'avais mis en haut là-bas. Voilà. Donc, ici, rue et numéro, code boîte postale. Voilà. Donc, ici, vous mettez votre boîte postale ici. Abidjan 12, pour quel pays? C'est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et une fois que vous finissez aussi, vous sauvegardez. De toute façon, s'il y a un souci, vous allez savoir un peu le souci. Ce que moi je fais ici, c'est juste vous montrer comment est-ce qu'on remplit pour que vous puissiez au moins finir votre application un peu plus vite. Donc le numéro de téléphone mobile, ça on l'avait déjà. Le numéro de téléphone privé, ça aussi, on va essayer d'insérer un élément là. Donc plus 825 107 9 7 plus un instant, ça va pas. Puis, ok, donc on avance. Ici le numéro de téléphone mobile, ici le numéro de téléphone mobile, vous allez ajouter votre numéro de téléphone mobile. Vous pouvez mettre les mêmes éléments. N'oubliez jamais de mettre l'indice, voilà, c'est très important. Ok. Donc ici, vous voyez que si je mets comme ça le numéro, directement, on me demande comme ça de vérifier vraiment si le numéro m'appartient. Donc on va mettre un vrai numéro. Voilà, comme ça, je vais pouvoir confirmer pour pouvoir avancer. Voilà, donc ici. Donc mettez un numéro ici. Avec ce numéro là, vous êtes sûr et certain d'avoir votre téléphone, cette puce là auprès de vous, parce que vous allez confirmer. Ici, je dois insérer les vrais numéros, mais je vais seulement insérer le numéro que vous avez déjà en description là. Voilà, donc pour pouvoir continuer, pour pouvoir accéder à cela et continuer. Donc 987 904. C'est le numéro aussi du groupe WhatsApp. Donc ceux qui veulent l'intégrer au groupe WhatsApp, c'est le moment de l'intégrer. Parce que, comme je l'ai dit, je ne pourrais pas répondre individuellement parce qu'il y a assez de messages et ça me prend assez de temps. Je n'arrive pas vraiment à exercer ce que moi-même je fais. Donc
essayer d'intégrer le groupe comme ça. On répondra ensemble à les mêmes questions. Donc, ici, 19. Ok, donc on va vérifier rapidement. Je vais recevoir un message et ce message-là, je vais insérer le code de vérification qu'il demande. Je viens de recevoir. Donc, ici, le code que j'ai reçu, c'est quoi? 966 54 966 54 267 54 267. Voilà, donc c'est dans l'immédiat. Une fois que vous mettez vos coordonnées, dans l'immédiat, vous recevez le message. Voilà, vous voyez là, votre attribut numéro de téléphone ou mobile a été vérifié. Vous comprenez? Donc, automatiquement, continuez dans 12 secondes. Donc, attendez un peu. Vous pouvez voir le profil ou bien vous attendez pour que ça puisse vous renvoyer sur votre plateforme pour pouvoir continuer. Code en attente de validation. Le code en attente a été renvoyé, mais vous ne l'avez pas. Ça, ce sont les numéros qui ne sont pas vraiment qui sont pas vraiment réels, que j'ai mis comme ça. J'ai mis à la hâte. Voilà, ce sont pas vraiment réels. Mais lorsque vous allez mettre vos numéros de téléphone, il faudrait que vos numéros soient vraiment réels. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Donc ce numéro-là, je devais le vérifier, je n'ai pas pu le vérifier parce que j'avais pas ces deux numéros. Et ici, le seul numéro que j'ai vérifié, c'est ce qui est là. Donc vous devez comprendre que vous devez vraiment insérer vos numéros, les numéros qui sont hyper vérifiés. Voilà, donc après cela, clé publique SH, voilà. Ici, clé publique, c'est pas la peine. Donc, je reviens ici.